Et chez les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire... On est en quelle saison? Hiver? Eh bah faisons l'hiver. Allez, place à l'intro. Alors, chers amis, aujourd'hui on va réaliser l'hiver. Donc déjà, pour réaliser une saison, c'est assez compliqué. Mais déjà, abonnez-vous et mettez un like si la vidéo vous plaît. Alors, effectivement, j'ai gardé le même pattern pour le moment. Puisque pour les 4 prochaines vidéos, je vais parler des saisons. Et aujourd'hui, on va apprendre à réaliser les saisons. Tiens, hop, j'ai juste oublié de faire un truc. On va le faire ensemble, c'est pas grave. C'est chunk. Ok, je sais pas pourquoi quand je me mets là, le chunk ici il disparaît. Bon, c'est pas grave. Du coup, on se retrouve. On est là, c'est bien. Mais là, on est en mode été, mais il n'y a même pas y a rien. Alors, je vais pas faire de terraforming. Très clairement, mais vous allez suivre vous votre terraforming. Oh, attendez, attendez. On va faire même autre chose. On va se retrouver dans quelques secondes. Donc, on va se retrouver dans quelques secondes. Pas n'importe où, mais sur une map que enfin, générée dans quelques secondes. Pour voir comment on peut s'adapter au terraforming et faire une vraie saison. Allez, à tout de suite. Donc, chers amis, voilà, j'ai généré une map. Du coup, voilà, c'est la map qu'on va réutiliser à chaque fois. Donc, slash seed. Voilà la map. Pour ceux qui la veulent. Pourquoi j'affiche le seed? Déjà, c'est pour réutiliser à chaque fois le même seed pour tout le monde. Je vais même, voilà, afficher mon F3. Quoi, les coordonnées. Et voilà. Donc, on se retrouve là et comment on va utiliser cette partie-là? On va faire comme si on était en hiver. Alors déjà, on va faire spawner peut-être un arbre. Pour que comme ça, vous voyez au moins ce qu'il faut faire si on a un arbre. Ok, voilà. On utilise toujours la même technique, hein, chers amis. Ça marche toujours. Et je crois... Alors, on va essayer avec 4. Il me semble que 4, ça marche déjà beaucoup mieux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, et 4. Petit accéléré. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on casse, on récupère. Voilà. Donc là, nous avons notre arbre. Bon, je vais pas le refaire, hein, bien évidemment. Et alors, comment réaliser la saison de l'hiver? Rien, mais vraiment rien de très compliqué. On va juste retirer toutes les feuilles de l'arbre, les mettre par terre. Non, je rigole, on va pas les mettre par terre, ça c'est l'automne. Mais on va retirer à peu près toutes les feuilles et on va mettre des barrières. On va, bien évidemment, juste avant, comme ça on va s'amuser un peu, on va mettre des barrières tout autour de la zone. On va récupérer des blocs de neige. On va récupérer des pumpkins gravés. Voilà. Et on va faire une clôture. Donc, tout le long là. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Donc voilà, donc là j'ai fait le tour complet de la zone qu'on va impacter et on va faire en premier temps on va y mettre plein de seaux d'eau qu'on va bien évidemment retirer. Mais en fait, ça va juste permettre de retirer les feuilles. Le but, voilà, c'est vraiment de tout casser. Donc soit vous voulez le faire à la main, soit vous faites comme ça. L'avantage que comme ça marche presque à tous les coups. Et du coup, là où vous avez mis vos sources, vous allez mettre deux neiges et
une pumpkin et ça va vous faire des bonhommes de neige. Alors je vais pas le faire là, hop, là non plus. Là ça peut marcher. Et si vous voulez aller plus vite, vous faites comme moi. Hop, vous prenez votre petite hache en bois. Là, là. Même pas, là. Slash, slash, set. Snow. Block. Voilà. Ah merde. Je me suis foiré. Et une fois que vous avez fait ça, ah, il est important de le faire à la main, sinon ils apparaissent pas. Hein. Voilà, donc je vous apprends rien. Et voilà. Et maintenant, vous laissez la nature faire. Vous mettez pas? Ah. Slash slash ta- non. Time set day. C'est mieux comme ça? Bon. Bah faut croire que la neige peut pas être posée là. Donc là on est à la couche 64, effectivement, la neige ne peut pas être posée là, à part elle peut geler, mais c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eau. Voilà. Et comme ils sont cons, ils vont aller se jeter dedans. Et du coup, ils vont mourir et il n'y a pas besoin de les tuer, du coup. Donc comme vous pouvez voir, là, je mets que de l'eau sur les côtés parce qu'en fait, pas besoin de mettre dedans. Et voilà. Donc là, j'ai mon petit lac. En plus c'est tout, voilà. Donc voilà, là nous avons notre petite saison. On va juste retirer toutes les feuilles de l'arbre. Allez, top. Donc, on se met là. Donc, clic gauche. Et clic droit. Slash slash replace. Donc oak oak leaves par 0. Donc vous voyez que ça marche parfaitement bien. Donc voilà. Et du coup là nous allons récupérer des petits fences en bois. Et on va continuer les petites branches pour faire comme si en fait c'était vraiment les branches de l'arbre. Comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos, bien évidemment. Allez voir le tuto comment faire des arbres de A à Z. Voilà. Ça va vous permettre de voir comment on réalise des arbres comme ça. Donc là, vous voyez, hein, je fais juste n'importe quoi. Ça marche. Je rappelle que je ne suis pas du tout doué en organique.
Et voilà. Donc voilà notre petite saison d'hiver. Donc pas besoin de faire quelque chose de très particulier, hein. Un arbre sans feuilles, de la neige. Bon, j'ai utilisé des bonhommes de neige pour la poser parce que vu le temps que ça m'aurait pris, là ça m'a pris déjà beaucoup moins de temps. Bon, encore, ils sont pas passés encore partout, hein. Et après, vous pouvez peut-être repasser, voilà, vous faites des petits tas de neige. Hop. Voilà, donc vous avez compris le truc. Et du coup, on a fini pour cette petite vidéo. Donc, chers amis, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker. N'oubliez pas de partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, place à la prochaine vidéo. Et à la prochaine. N'oubliez pas, le build, c'est bien.